Tel Abinabib est réellement une des plus grandes philosophes politiques du XXe siècle et aussi du début de ce siècle-ci. Elle a fait une partie de sa scolarité en Turquie et ensuite elle est allée aux États-Unis où elle a fait carrière académique. Donc elle a été professeure à des prestigieuses institutions comme l'université de Boston, de Harvard. Maintenant, à l'heure actuelle, elle est toujours professeure à l'université de Yale. Tel Abinabib s'inspire beaucoup des travaux de Hannah Arendt. Hannah Arendt, qui était une grande philosophe après la Seconde Guerre mondiale et qui a effectivement essayé d'améliorer la situation des réfugiés, des migrants. C'est un projet qui est à la base de ce qu'on appelle la philosophie cosmopolite. Le cosmopolitisme part de l'idée que nous appartenons à une sorte d'humanité partagée. Nous n'appartenons pas uniquement, pas seulement à nos communautés qui sont déterminées, par exemple, par nos convictions religieuses ou par notre langue, et que chaque être humain, par sa naissance même, a droit à des droits, a droit à notre respect. C'est réellement une philosophe qui a exercé une influence vraiment partout. Donc elle est connue à la fois dans le monde francophone, dans le monde néerlandophone, anglophone, germanophone. Ce sera vraiment un grand privilège d'avoir une si grande dame de la pensée politique contemporaine chez nous.